Bonjour YouTube, on va tester Bomb Rush Cyberfunk, un jeu avec des bombes, des rushs, du cyber et aussi du funk. Et de la musique un peu... Voilà. De la musique un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est assez clair là. Bon. Qu'est-ce que c'est, Bomb Rush Cyberfunk? Est-ce que vous vous souvenez de Lethal League et surtout de Lethal League Blaze? J'espère que oui, parce que ce sont des excellents jeux. Bon. Lethal League et Blaze surtout étaient extraordinairement bien foutus et c'était des sortes de jeux de baseball slash compétitif, bref, compliqué à expliquer, bref. Mais c'était des jeux qui avaient énormément de style et énormément de groove. Et les devs de ces jeux-là étaient des fans de Jet Set Radio. Alors si vous ne connaissez pas la série des Jet Set Radio sur Dreamcast et sur Xbox première du nom, pas Xbox One, la première Xbox, vous savez, pas la Xbox One, la première Xbox, c'était des jeux où vous étiez dans une sorte de métropole futuriste et vous deviez à la fois combattre les méchants qui venaient vous casser les glaouis et à la fois taguer tout ce que vous voyez sur votre passage. Il y avait une grosse composante exploration aussi. C'était très bien foutu, des jeux de Sega. Et ça fait 15 ans, je dirais plus, qu'on attend que Sega sorte un nouvel épisode de Jet Set Radio et ça fait 15 ans que les devs et les producteurs principaux de Jet Set Radio lobbyent Sega afin d'avoir un nouvel épisode de Jet Set Radio. Et ça fait 15 ans que Sega fait... pas envie. Et au bout de 15 ans, les devs de Lethal League Blaze ont fait... Oh, et puis merde, on va le faire nous, du coup. Donc, du roller skate, du graffiti. C'est parti. Nouveau départ. Let's go les potos. Nous aimons vous décevoir depuis les années 90. C'est le police bureau. C'est le bureau dans lequel il y a la police. Vous la connaissez? Il y avait une élique sur un reboot de Jet Set Radio. Oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis... Enfin, depuis que tout ça a été développé, etc. Bon, c'est gaffé. Mais non, non. Peut-être... Cette radio, ce serait peut-être... Finalement... 0GX mais non. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de nouvelles officielles. On verra si un jour on a des nouvelles officielles. Quelle gueule de cul. Excusez-moi. Hein ? Ah, nous sommes en contrôle. Très bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Quelle jolie paire de baskets. Quelle jolie coupe de cheveux surtout. Extrêmement aérodynamique. Hey, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je veux sortir. Comment t'as fini dans ce trou, le BG? C'est vrai que je suis BG. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas une tronche de criminel? Tu pourrais m'être utile. Putain, ça a pas l'air super sécurisé, votre machin, quand même. Tiens. D'accord. Oh putain, c'est gaga, c'était tellement bien. Alors c'est quoi le plan? Ah, très bien. Le plan apparemment c'est courir. Newt, 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 Newt. Est-ce que c'est la cellule dans laquelle lui était? God damn! C'est bon, il est en train de groover dans l'entrée. Très bien, j'ai trouvé la touche de saut.
On dirait qu'on a vu un ange qu'on a un ange gardien. J'ai fixé en train de péter un câble. Ah oui, dites donc. On devrait faire un truc tant qu'on peut. Avec un peu de chance, au moins nous deux s'en sortira. En fait, je m'appelle Trice. Obi Trice, real name, no gimmicks. Moi, c'est faux. Bah non, c'est vrai. Je suis le faux. Bah non, je suis le vrai faux. Je ne suis pas le faux vrai. Je suis le vrai. C'est alors, suis-moi, je connais un chemin. Non, c'est faux. Quel est le projet ? Prends un peu ce matos. Est-ce que c'est un jetpack ? C'est à toi de se boost pour sauter là-bas. Appuie de nouveau sur A pour faire un dash aérien. Prends ton temps. Ok. Ça marche bien, cette merde. Et maintenant que je suis là-bas, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Il y a comme un bruit. Ah, bonjour. D'accord. Yo, what's up ? T'es toujours là ? Je t'ai fait sortir, donc c'est à toi de m'aider. Écris le nom de mon crew sur ce mur-là, qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Bon brush crew. Ah, d'accord. Comme ça, appuie sur RB pour t'y mettre. C'est Jet Set Radio avec des chaussures. Alors on va voir. Yo. C'est stylé. Je dois avouer que le truc de graphe est assez stylé en fait. On se tire avant qu'on se fasse repérer. Ok, très bien. Je peux faire ça. Normalement. Sauf que ça, c'est un. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé un truc. Hey, yo. Slide avec RT pour aller par là. Tu me fais pas confiance. Non, mais ça c'est pas très grave. Ok. Slide avec RT. Noté. Hé là-haut ! Yo. Ton ami du temps. Tu vas avoir besoin de ces rollers. On se retrouve après. Connaissez-vous les relais ? LB pour mettre des rollers. D'accord. Donc avec LB, je passe de piéton à roller rapidement. Ok. Parce que je vais supposer que si je peux slider aussi. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je peux faire un gros tag ici ? Je vais essayer de faire un patac, mais ça n'a pas marché. Attendez. On s'en approche. Très bien. Joli. On va les prendre aussi tant qu'on y est. Des charges qui servent de carburant pour les boosts. Maintiens LT pour utiliser ton boost, tu vas voir, ça va dépoter. Ah, effectivement. Appuie sur LB pour descendre de tes rollers, c'est le seul moyen de passer. D'accord. Non mais, j'avais... Allez, c'est l'autre touche qui est con. Très bien. C'est ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure, alors attendez, je vais essayer un autre point de départ du coup. Non, c'est exactement ce que j'ai fait avant, déjà. Du coup, on va... Non. Deux secondes. J'arrive. Non ! Ok. D'accord. Et ça fait indifférent. Ok. C'est ce qui me semblait, en fait. C'est-à-dire qu'on me donne des points de départ. Ah ! On peut, sans déconner ? Ça marche, hein ? Ah oui ! Ok. Invocation Razor. Elle est fan de... Ah, super loupé. Je suis très fier de moi. Comment je remonte ? Avec des tables. Très bien.
Je vous jure que je vais arriver à remonter. C'est une question de volonté. Ah bah je suis con, il y a des tables qui sont superposées de manière extrêmement stratégique ici. Ah, ça va être un peu gênant ça. First try. Yo. Par ici. À toi l'honneur. Appuie sur X, Y ou B pour casser les fenêtres d'un coup de pied. Bonjour. Yo, what's up? On peut passer par là pour atteindre le toit. C'est une porte de sortie. Regarde par là. Oui. Quoi de neuf? C'est de l'immobilier de luxe. Montre-moi que t'es bien le vrai faux. C'est compliqué au bout d'un moment. Alors. D'accord, j'ai un timer de graphe en bas, ok. Oh, il est joli celui-là. Il est très joli. Sick. Pas mal. Merci. Je veux exposer les voitures avec la police avec du boum boum. Oui, ok, d'accord. Tu sais quoi, j'entends, je comprends mieux maintenant, Cassis. N'exagérez pas tes skills quand tu... Oh, moi, je plais. Madame. Irène, droit dessus au rapport. Dites donc, Irène, c'est tout un buste que vous avez là. Nos autres suspects sont cabales. Ok. Je les prends en chasse. Ah, c'est pas vrai. Je vais y retenir. Bonjour. Où est-ce que j'ai une barre de vie en fait? Où es-tu, Irène? Où es-tu, Irène? Aïe, ça y est, ma barre de vie vient d'apparaître. Très bien. C'est un peu bordélique, mais... D'accord, il suffit juste que je lui rentre dedans. Très bien. Je... Merci Cassis. La Team Rocket sort le verre de Trucieux. Cool. Allons, cool. Je peux te faire confiance, Trice. C'est comme si on faisait partie du même crew. Avec toi dans mon équipe. On pourrait passer Old City. Si on sort d'ici vivant, tu peux compter sur moi. Cool. Alors c'est parti. Bonjour. Gagné pour... Ah, c'est pas gagné encore.
Bien, bah voilà. Hein. Ah, Weird Cyber... Oh, cet écran Windows XP. Bonjour. Sans transition. Bonjour madame. Excusez-moi, c'est ma tête qui repose comme ça normalement. Faut pas vous. Vous en faites pas trop. What's up, dog? Bien, bonjour. Ça y est, TOP. Bienvenue entre toutes nouvelles planques. Je ressemble quand même beaucoup à... Enfin, ce jeu n'a aucun rapport avec Jet Set Radio Futur. Même le corbeau est en train de groover. Même les pigeons ont l'air d'en train de groover. Allez, viens rencontrer le reste du crew. Salut, moi c'est Belle. Elle va pas te faire des idées, elle est mariée à son portable. Hein? Tu faisais un peu pitié sans ta tête, alors je t'en ai trouvé une autre. Une nouvelle tête. Une nouvelle tête? Le flip phone futuriste, un style quand même. Ça veut dire que je suis mort ? Ouais, décapité. Le signe avec la main n'était pas nécessaire, je pense qu'on avait compris le fondu. Un pote t'a dégoûté une cybertête standard. Ça fera l'affaire jusqu'à ce qu'on retrouve ta tête. Tu sais, c'est pas si rare de nos jours. Des cybertêtes, on en voit partout dans New Amsterdam. Bon alors, comment on va t'appeler ? À part cybertête. Eh ben, BG, c'est plus franchement d'actualité. Merci. Pourquoi pas ? Moi, je le trouve mignon comme ça. Sinon, qu'est-ce que tu dis, le Red ? Bah, yes, c'est... Red ! Tiens, prends ça. Belle va te montrer les bases. On a un skateboard maintenant aussi ? Mais c'est l'opulence ! Ok, donc, les grinds, c'est facile. Pour les réussir, il faut savoir faire un dash aérien. Appuie sur A dans l'air pour les activer. Essaye de faire ce combo pour voir. Décapité par un DJ fou. Bon dieu de David Guetta. C'est vraiment ça le combo ? Et tu penses que je vais arriver à torcher ça ? Très bien. D'accord, non, je fais de la merde. Ça commence bien. Ok, j'ai une deuxième chance. L'avantage, c'est qu'on est bien stable hein, sur ces trucs-là. Non, je voulais que tu te rattrapes sur la corniche. C'est pas grave. On va y arriver. Facile. Easy peasy lemon squeezy. Ensuite, tente un peu ça pour voir. Je te préviens, c'est pas facile. Ok, jusqu'ici ça va. What the fuck. Excusez-moi. Bien sûr. Évidemment. Faites un grind le long du poteau et un wall ride sur les panneaux publicitaires. Je t'enchaîne même un meilleur combo, va. Rien à foutre. T'as réussi. Ok, un petit dernier, celui-là est particulier. Tu vas devoir essayer de faire au moins 15 tricks en un seul combo. Appuie sur X, Y ou B pour faire des tricks en plein grind ou quand tu es dans les airs. Ça sert à rien de spammer. Appuie sur X, Y ou B au moment où tu finis un trick. D'accord. Tu auras la physique dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. C'est vrai ça, bordel !
Oui, au Kassan aussi, madame. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille sur le poteau. Ah bah oui, facile. T'apprends vite. J'imagine que c'est pas la première fois que tu fais ça, si. Bon, ben, c'était sympa, monsieur Red. Oh, et on garde le contact. C'est un vieux modèle, alors je veux bien te le filer. C'est grave utile, tu verras. Un de ces quatre, je te montrerai comment l'utiliser. Eh, par ici. S'il te plaît, ça t'arrache à la gueule. Alors, juste que je vous montre. Ah, c'est la compile Beats for the Hideouts qu'on écoute. Parce que ça, je le sais. Donc là, c'est tous les graffitis que j'ai à l'heure actuelle. Sachant qu'ils sont classés en M, L et XL pour l'instant. Et si je clique sur un graffiti, je vois que pour le faire, il faut que je fasse cette combinaison de mouvements-là. Et je vois aussi que c'est 3D Rod qui l'a fait, celui-là. Que celui-là, c'est Andreas Simopoulos qui connaît son, l'origine des devs, probablement des devs du jeu. Et du coup, à chaque fois, vous avez la combinaison que vous êtes censé faire pour faire ce graffiti-là. Ok, sachant que de toute façon, il vous indique la prochaine étape que vous avez, donc rien que si vous retenez par où vous partez au départ, vous avez quand même une chance non nulle de pouvoir faire la suite. Je sais que si je veux faire celui-là, il faut que je parte vers en haut, enfin vers le nord-est, voilà. Pas plus simple mentalement si moi je me dis nord-est. Mais... surtout que je peux faire ça tout en faisant tout le reste en fait. Ok. Par contre, je suis pas allé le voir. Il fallait que j'aille où nouveau. Il est juste là. Hein. Oui. Bonjour. Yo. Garde bien la tête sur les épaules cette fois, histoire qu'on n'ait pas à tout réapprendre. Écoute-moi bien. On est le Bomb Rush Crew. Pardon. On est le Bomb Rush Crew. Ah, putain, les tacos de Taco Parade là-haut, ils ont l'air magnifiques. Dans ce monde, tout ce qu'on veut, c'est s'imposer, s'éclater. Si tu veux qu'on te respecte, il te faut de la rap. Et pour ça, faut taguer. C'est aussi simple que ça. Va donc t'entraîner sur quelques spots à graffiti de la nouvelle planque. Graffe-moi plusieurs trucs pour obtenir au moins 20 points de rap. Après, on pourra parler. Ah oui, dis donc, il y en a effectivement 2-3 des spots. Ah, attendez 2 secondes. Je revérifie. Juste un truc. Oui, parce que ça, c'est un L. Donc si je veux faire l'autre L, il faut que je pars au nord-ouest. Mais attendez, on va essayer. Ah, mais je superpose, du coup. D'accord. Ce qui donne un certain style. Tony Hawk Pro Graffeur, c'est ça. Des contenus qui peuvent être légèrement sous pression. Excusez-moi sur ma voix, je crois qu'il y a un petit écho. Très très technique, mais celle-là, certains la comprendront et ça me fait plaisir pour vous. Je bénéficie, hein, merci beaucoup. C'est un style, ça me va. Comment je vais faire ? Ça passe. Ok, je... attendez la chute. Très bien. Mais non, il y avait un truc que je voulais récupérer là-bas. Ok, ok, c'est tout bon. Ouais, ça le fait. Je te veux dans mon crew, ça te dit ? Écoute, Red, tu as écrit le Bomb Rush Crew, c'est pour une seule et unique raison. Salut François, si tu nous écoutes. Devenir All City. Il voudrait qu'on joue soit All City. On va s'imposer dans tous les quartiers et surpasser tous les crocs de New Amsterdam. Ok. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Non,
J'avais pas fini. Ta tête d'origine, elle s'appelait Faux. C'est vrai ? Ce mec, c'était un graffeur de génie. Dans les Big Three de New Amsterdam. Avec lui, on serait devenu All City en un claquement de doigts. Il m'avait dit qu'il rejoindrait le crew si on s'échappait. J'ai bien l'intention de respecter ma part du marché. Alors Attends une seconde. T'as dit que Faux avait été décapité. Donc tout ce qui reste, c'est son cœur, pas vrai ? Ouais, mais non. Ce que je veux que tu fasses, c'est récupérer ta tête. Trace ? Tu crois vraiment que sa tête est, tu sais, toujours en vie ? Je m'explique. Cette nuit, je l'ai vu. Lui et ses yeux flippants. DJ Cyber. Il est obsédé par les mécanismes internes du cerveau. Il paraît même qu'il aurait une machine spéciale pour farfouiller dans l'esprit de ses victimes. Ça craint. Mais il reste le meilleur DJ de tout New Amsterdam. Même moi, j'ai hâte d'entendre son prochain mix. Il a tué mon pote, il a essayé de nous décapiter, mais putain, sa mixtape. Moi, je suis comme un ouf, hein. Ouais, le mec est complètement sociopathe et super terrifiant, mais putain, faut séparer l'homme de l'artiste. Donc si quelqu'un a piqué sa tête, c'est sûrement lui. Qu'est-ce que t'en penses, Red ? Je comprends. L'ancien moi, Faux, je veux savoir qui il était. Je veux retrouver ma tête. Tu vois, il veut récupérer sa vieille cervelle gélatineuse. Alors c'est décidé. Trace, rassure-moi. T'es au courant que DJ Cyber contrôle le crew le plus puissant de la ville, hein ? C'est vrai. Ils sont appelés les Future Rhythm. Ils ont battu les Franks lors d'une bataille de crew l'autre jour. Les Franks, c'est un peu les basketteurs de Versum Hill. Ils sont d'origine variée, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, effectivement, oui. Ils mettent de l'électro-funk à fond toute la journée, ils sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Mais bon, ces chiens de la casse peuvent aboyer autant qu'ils veulent. DJ Cyber les tire en laisse pour le moment. Ils doivent avoir la rage. Et on va s'en servir pour leur soutirer des infos et découvrir où le DJ se planque. Ouais, on va commencer par là. Le territoire des Franks est par là, Versum Hill. Allez, on y va. Ok. Moi, je venais juste pour groover, en fait. Let me see you shake that ass, 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 ass. Hein. Bah au moins c'est franc hein, sur les tenants et les aboutissants. Hein. On dirait que les Franks barricadent des coins de rue. Pas de doute, on est bien à Versum Hill. On a qu'à se séparer pour trouver leur planque. Ah mais non, sur un mur comme ça je ne peux même pas grinder. Quelle tristesse. Ah, ça me permet de revenir vers la planque. D'accord. Rip le Zubzobini, c'est la censure la plus inexplicable et dégueulasse de l'histoire de Twitch.tv. C'est peut-être la deuxième censure la plus... Est-ce qu'il faut que je les fasse lors d'un même combo wombo ? Je vais supposer, oui. Alors, il faut que je trouve les trois trucs et que je les fasse au sein d'un même combo wombo. On va partir de là. Pardon, madame. Le troisième est là-bas, vu. Ok, j'aurais dû mettre un coup de turbo. Ok, c'est bon, je l'ai. Non ! J'étais trop tourné. Je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. Je vous promettrai pas quelque chose que je serais pas prêt à tenir. Je ne suis pas les autres chaînes. Moi, ça n'est pas les autres, non, non. First try. Ouh. Où était cette machine ? Là, vu. Oui.
C'est un nouveau graffiti, d'accord. En partant sur le nord-ouest d'abord. Ok, d'accord. Non, sud-ouest. Apprends les directions, quand même. Ok. En tout cas, au niveau des musiques, le contrat est respecté, déjà. Ah, ça me sert de carte aussi. D'accord. Il me permet de voir qu'il y a un truc qui clignote par là-bas. Est-ce que c'est ce graffiti que je peux recouvrir ? Boum. Je sens que quelqu'un va avoir quelque chose à y redire. Bonjour. Ah. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, le noob ? Il vous y a un œuvre ? Je crois que c'est qu'un jeu ou quoi ? Dégage. Je me demande par où faut qu'on aille ensuite. Pardon, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Pardon, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ok, il faudrait qu'on commence par partir de là. Ok, donc éventuellement en allant sur les rails. Et là, ensuite, le petit coup de turbo. Et maintenant, on est dessus. Hop. Puis, le grind. Qui sert absolument à rien, mais il me fait plaisir. Alors ça, est-ce que... Non, il faut absolument que je descende du truc. Non, parce que ça me fait faire un manuel, en fait. D'accord. Donc quand je suis comme ça, si je suis au sol et que j'appuie sur cette touche-là, je fais un manuel qui permet de linker les combos. Très bien. Ok. Non, il y avait moyen de faire mieux. Oui, 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 c'est en termes de musique, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on cherchait. Oui, c'est ce qu'on voulait. C'est exactement ce qui était cherché, ça. Ouais, ouais. Plus. Encore un peu plus. Ah, mais je crois qu'il a participé à la BO, entre autres. Je crois qu'il était... Je sais pas s'il a fait tous les titres, mais je crois qu'il en a fait quelques-uns pour. Et ça m'étonnerait pas qu'il avait fait celui-là. Il avait déjà fait les titres pour la BO de l'Italic Blaze, donc la relation était déjà en place. Bon, j'ai aucune idée d'où il faut que j'aille, par contre. Est-ce qu'il y a encore de nouveau un trou où je peux passer dans ce temps-là ? Non. On va passer par le seul passage qu'on a, du coup, parce que c'est par ici. Il y a même des choses à recouvrir. Sans surprise, c'est 100% sa cam. Tu m'étonnes. Jusqu'ici, le jeu est vraiment très agréable manette en main, en fait. Parce que, pour toute l'affection que j'ai pour Jet Set Radio, sur la facilité d'utilisation, sur quelques points, le jeu a pas forcément super bien vieilli. Qu'est-ce que tu attends comme combo de ma part ? Que je te vois mais il va falloir que je comprenne comment je suis censé enchaîner les trucs. Bonjour, là par contre c'est à moi. Alors attendez, avant que je fasse ça,
J'aimerais bien essayer de faire ce 10. Non, celui-ci, on l'a déjà fait. Je vais essayer de faire celui-là. Ok. Donc, hop. 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 Voilà. Celui-là serait pas mal aussi, j'avoue. Consultez votre carte sur le téléphone. Très bien. Tellement de groove. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a des jeux qui, vous savez, font ça un peu subtilement, en disant non, mais bon... On veut pas s'attirer dans merde. Comment je fais pour avoir ce truc ? Alors non. Est-ce que j'aurai un move un peu plus tard peut-être ? Ok, les distributeurs, c'est noté. Non, tout ça c'est à moi ! En l'occurrence, vu qu'on est sur roller, ce serait plus un hommage à... Et là, on va aller un peu loin. Ce serait plus un hommage à notre ami Ty Chris. Vous vous souvenez de Ty Chris ? Ah. Oui, moi j'ai un coup de fil. Salut Red, si les Francs te font la misère, déjà faut les ignorer. Tu poses des graffitis devant te prendre au sérieux. D'accord. Merci Ben. Robinhead, bienvenue. On va peut-être arrêter de faire du turbo dans tous les sens pour rien. Alors, par contre, sérieusement, comme je ne vois pas le second... Bon, c'est pas grave. Il y avait des trucs là en bas que j'aurais pu graffer aussi au passage. Pardon madame, excusez-moi madame. Je suis en train de travailler là, si ça vous dérange pas. On peut essayer de faire ça déjà dans un premier temps, ça me paraît plutôt gratuit. Alors, c'est pas par là que je voulais aller, mais c'est pas grave. On va y aller quand même. Sauf qu'on redescend du coup. Ah bon, c'est pas très grave. Hop. Commence à s'exciter, toujours pas. Non, pour l'instant ça groove. Très bien. C'est pas grave, hein, tu sais. Moi-même je n'écoute pas spécialement, donc je j'en voudrais pas à quelqu'un d'autre de ne pas le faire. Ma meuf, hein, tu sais, on n'est pas sexiste ici non plus. Pourquoi j'ai plus mes rollers ? Pourquoi j'ai un skateboard ? Et pourquoi je ne peux pas faire ce tag du coup ? Si, ça y est. Ah, apparemment, par en haut, très bien. Ça continue de grouver. Consultez votre carte. Ce morceau avec cette petite basse là, un peu à l'air de mon morceau de funk préféré, qui s'appelle Le générique de l'inspecteur Gadget. C'est américain, vous connaissez sans doute pas. C'est du bon funk bien lourd, ça. Sans doute pas votre truc.
Hola, qui voilà, Inspector Gadget. Comment j'arrive à là-haut ? Bisous, Marie Blue. Merci bien. Ça m'a fait très plaisir. Et merci encore pour le collier et tout. Il est un petit comme tout. Je vais essayer d'arriver là-haut. Je n'y arriverai pas. D'accord. Mais c'est vrai que ce serait quand même triste de s'inspirer de ce point-là de sa radio. Oh, chacun doit faire des trucs dans un coin. Bonjour ! Je voulais pas partir par là, c'est pas grave. Par là. Ok. Ça, c'est à moi. Bonjour, monsieur Lem. Excusez-moi, je m'amuse juste à essayer de faire un combo à la con. C'est complètement gratos, mais c'est pour le plaisir. Ok. D'accord, et distributeur de ce truc-là, ça permet de recharger ta jauge de turbo à mort. Il suffit juste de mettre un coup dedans. Très bien. Ok. Moi, je suis juste en train de kiffer cette vibe. Pardon, hein. Pardon. Donc, où tu veux que j'aille ? Alors déjà, j'en parle là-haut, il y a un truc bleu qui clignote. Je crois que c'est toi qui clignote. Bonjour, Kevin. Top 1 des RBR, c'est tout pourrable sur mon graphe. Quoi, super fort, hein, le mecha ? T'es pas des vraies racines comme moi. Même pas capable de maintenir un combo. Quel genre de combo ? C'est juste ça, ton truc ? C'était que le début. Ok. D'accord. Il y a un graphe à récupérer. Alors par contre, je suis plus sûr. Il y a un truc à claquer ici. Ça doit être sur le chemin de... Est-ce qu'il y a à côté des flèches ? Non, pas du tout. J'ai pas tenu le combo jusqu'en bas, il doit pas être content. J'ai pas du tout compris ce qu'il voulait que je fasse par contre. Parce que je l'ai vu faire un truc, mais j'ai pas vu où c'était. Damné des damnations. Alors attends. Ah, il y a encore un truc à claquer ici. Ok, donc il faudrait qu'on parte de là-haut, qu'on claque ce truc-là. Ok, c'est bon, je les vois tous. Très bien. Alors,
C'est pas le combo que tu m'as demandé de faire, mais je vais quand même essayer de le faire, celui-là, juste pour ma culture personnelle. Alors. Et le truc là-haut, pour l'instant, je n'ai aucune idée comment on atteint encore, mais c'est pas grave. Donc. Non, parce que j'ai. Je me suis bourré de touches. Ce sont des choses qui arrivent. D'accord, c'est un ok. Ça va prendre un peu plus d'effort que ça pour l'avoir celui-là. Ah non, c'est bon, t'as eu. Je l'ai eu, mais j'ai perdu mon combo en cours de route. Très bien. Alors non, monsieur, par contre, non, ça c'est personnel. S'il vous plaît. D'accord, mais maintenant j'ai compris le combo que tu veux que je fasse, et il est effectivement beaucoup plus compliqué que le premier. Comme si le premier était une sorte de, je sais pas moi, phase d'apprentissage intégrée dans le jeu pour nous expliquer des mécanismes. Faudrait inventer un mot pour ça. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, monsieur, s'il vous plaît. C'est personnel quand même. Ok. Hop. Et les quatre. Facile. Par contre, où ça a ouvert le machin maintenant? Je n'en ai aucune foutue idée. Mais ça vous prouve bien que, en termes de contrôle, c'est un plaisir. Hein. Je crois que c'est tout en haut que ça a ouvert le machin. Oui, c'est là-bas. Bonjour. D'accord, on a libéré de la musique. Le truc terrible, c'est que je vois que il m'a. Tout à l'heure, quand on a battu l'autre mec, il a libéré un graphe, mais je sais pas où. Par contre, ça, c'est un peu un souci. Voilà. Un souci qu'on va régler. Merci beaucoup. Ça doit être en contrebas, je vais supposer. Si c'est en contrebas, je suppose que je l'aurais vu. C'est quand même un truc qui était suspendu en l'air, je devrais le voir, non ? Plemnel. Kevin, sur le pont là-bas, je vais supposer que toi tu fais partie des gens à qui je dois parler. Oui. Commençons par là. Bonjour. Tu me défies ? Essaye d'obtenir un multiplicateur de x8 en te penchant vers l'intérieur avant les virages de cette ligne. Penche-toi en direction d'un virage juste avant de l'atteindre, en maintenant la commande gauche ou droite. Une possibilité, ça ? Apparemment. Ok, je suis curieux. Ok, donc c'est comme ça que tu obtiens des multiplicateurs. D'accord. Ok, t'es pas complètement naze. Ok, ça je vois où c'est.
D'accord. Compris. Est-ce que c'est un cyber dogo? C'est un dogo en jogging avec un beanie. Il est beaucoup trop classe. C'est effectivement le roi des cyber dogo. Son crew de cyber dogo est respecté dans toute la ville. Bon. Excusez-moi, le rien que se balader est tellement super agréable en fait. C'est ce truc qui, même faire des combos qui sont. C'est quoi ce truc qui clignote là-bas? Attendez. Pas que moi, c'est tout l'être qui clignote. Hein. Bonjour. Changer de tenue pour ne plus être recherché. Ok. Compris. Non. Deuxième essai. Je crois que c'est ça ce que je cherche depuis tout à l'heure. En toute logique, ça doit être ça. C'est lui, pas du tout. Il a une chemise jaune alors que l'autre a une chemise verte. Ah, mais il y a aussi une T-Rosette de turbo rouge. Écoute, Kevin. Je suis flic depuis 96 ans. Je connais mon boulot un peu mieux que toi. Donc c'est pas aujourd'hui qu'un petit con dans ton genre va expliquer comment on cherche. Donc si je te dis que c'est pas lui parce qu'il a pas la bonne chemise, c'est que c'est pas lui, d'accord ? Non mais c'est pas possible. Je suis trop bon. Point faible, trop fort. C'est ça mon problème. Quand je ferai mon entretien de motivation bientôt pour mon prochain taf, et qu'on me demandera quel est votre principal défaut, je répondrai injustice pour le reste de l'humanité. Qui doit vivre dans le... dans la tristesse de savoir qu'ils ne seront pas moi. Très bien. Quelle chance que je l'atteigne, celui-là, là-haut, et comment? Il nous faudra peut-être beaucoup de turbo, d'abord. Je suis pas sûr que ça suffise. Salut les pigeons. D'accord. Je suis un professionnel du jeu vidéo. Arrêtez de vous moquer. Ok, c'est pas le problème du jeu vidéo auquel je joue. Je sais exactement ce que je fais. Est-ce que c'est en faisant du... du one round successif. Alors sur ça, une tout ça. As, non, pas du tout. Ouais, mais je pense qu'il y a de ça en fait. D'accord. Non, de toute façon, on va laisser tomber. On va continuer de faire l'histoire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a un mec qui veut me parler là-bas, vraiment? Très bien. Mais ça, c'est même pas un nographe. C'est quoi ce délire? Peu de respect, quand même. Bonjour. Je crois que c'est vous. Vous voulez me parler, monsieur? T'as qu'il dit un peu de rêve parce que je vois. Tu crois que ça suffira pour me battre? Mette un peu ça. Vas-y. C'est littéralement ce que je viens de faire. Bon, ok, ça, je suis peut-être pas arrivé. Montrez ce que vous savez faire dans un wall ride. Très bien. Très fier de moi. Voilà, je t'ai montré ce que je sais faire dans un wall ride. Pas grand-chose.
Ah non, ok, j'ai loupé le dernier truc, vraiment. I think you're top class, I'm just thinking about your ass, ass, ass. Quand j'avais dit ça au cassis, ça m'a insulté ensuite. Je comprends pas, lui, ça a l'air de marcher. Pourquoi j'arrive plus à faire de wall ride? Attendez, vous savez quoi? Voilà. Ok, très bien. Je sens que ça va prendre 2-3 essais, ça. C'était qu'un coup de chance. Ouais, first try. Impressionnant, non? Ok, et nous avons un grave supplémentaire qui nous attend là en bas. On va les récupérer. On dirait bien que la police du fun est en route. C'est-à-dire la police tout court. Ça fait un bout de temps qu'ils nous collent, donc on va se tirer. Si jamais tu survis, sache que nous, les fringues, on a 70 points de rep. Tu veux de nouveau nous défier? Reviens quand on a pas autant de rep que nous. Tu as combien? Ah, vandalisme détecté, mobilisation des agents. Police du fun, c'est-à-dire la police tout court. Je... Bonjour. J'ai un truc à récupérer, donc je vais le récupérer et puis je vous embête pas après. C'est quelque part là en bas, il me semble. Voilà, c'est ça. Je suis recherché niveau 1, d'accord. Je vais supposer que si je vais agresser un sympathique... Ah, j'ai une rep de 78 déjà. Bah, du coup, je vous ai déjà... Enfin voilà, je suis déjà meilleur que vous. Mentalement et physiquement. Je peux aller les... je peux aller les chercher. Je me souviens pas où faut que je passe. Je crois que c'est le grand escalier ici. Oh, un Kigurumi Berndas Brute. J'ai une pote qui fait des kigurumi, je suis assez de lui poser la question. Oh, j'aime tellement l'idée. Mais regardez qui voilà, inspecteur Gadget, tu ne m'attraperas pas. Ouh, ouh, ouh. Quoi? Décidément. Regardez qui voilà, Trace et son crew. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire des commentaires sur les rouquins. Suis-je vraiment en position de parler? Virgule. Bienvenue dans mon royaume. Faites pas attention, mon gars. Il faut bien qu'il s'amuse un peu. Prince est un prodige, tout ce qui touche à la viande et au métal. C'est lui qui a créé tous ces mecs. Pas meilleur que moi. Quand quelqu'un perd un bras, c'est à moi qui viens voir. Dans les cas les plus rares. Quand quelqu'un perd la tête. C'est donc toi qui as filé une cybertête à Red? Ça fait de toi mon père, du coup? Je crée personne, moi. Je reconstruis à partir de ce qu'on trouve. Et toi, tu fais pas exception à la règle. T'avais dit de revenir pour un check-up. Je peux me plaindre. Ouais, ça a l'air ok. Prince, j'ai l'impression que DJ Cyber a toujours sa tête d'origine. Tu connais DJ? Tu crois qu'il pourrait me rencarder? Il marche et il parle, non? Alors des questions que je balance quoi que ce soit sur DJ Cyber. Il sait même pas où est sa tête. Il sait pas d'où il vient. Je rate jamais mes dunks. Tronche de métal, tu sais pourquoi? Parce que cette jambe appartenait à un champion de 100 hauteur portoricain. Faut connaître ses racines, tu vois ce que je veux dire? Red? Red, attends un peu, viens avec moi. Si Belle veut qu'on se voit en privé. Ah!
deux secondes. Je vois des abrutis à claquer, je vois plus que ça. C'est une obsession, il n'endort plus la nuit. J'aimerais tellement lui faire plaisir, mais je n'ai pas assez de relations. Ah, pardon, excuse-moi. D'accord, il y en a à l'extérieur aussi. Ah, attendez, est-ce qu'il y a une chance de... Une fois. D'accord, ok, c'est bon. Alors, une fois. Non, j'aurais dû sauter. Ça m'a mis à zéro ? Ça m'a mis à zéro. Alors, attendez, parce qu'il faut comprendre la logique, là, de dans quel sens on est censé faire les trucs. Est-ce que c'est d'abord celui-là ? Ensuite, on voit le jump. Ensuite, celui-là. Ensuite, wall jump, toujours. Ensuite, ça. Et maintenant, il y avait une chance sur 32 de retomber comme il faut, mais c'est pas grave. Je vais essayer. Ça va me prendre 2-3 essais, mais je vais essayer. Non, d'accord. Ou est-ce qu'on fait d'abord le cercle intérieur et ensuite le cercle extérieur ? D'abord le 5 intérieur puis les GS. Ok. Merci Léo. Ça m'a pris 2 secondes, mais merci Léo. Bonjour Jérémdo. Non ! C'est vrai que je pourrais faire un manuel aussi. Ça pourrait simplifier le boulot. Parce que comme ça, je peux effectivement les enchaîner beaucoup plus facilement. Six. Ok, à côté des poubelles, près du panneau All Blue. Panneau All Blue, il est là-bas. Très bien. Ok. Oui, effectivement. Les manuels, c'est un bon call. Ça simplifie un peu le travail. Bonjour. C'est une nouvelle musique. C'est une musique qu'on avait déjà, mais maintenant on peut la choisir. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse déjà en fait ? Ah oui, il fallait que j'aille parler à Josiane, que j'ai ghosté comme une merde. Elle est partie où, Jojo, en fait ? Là-bas ? Tout est neuf et tout est sauvage, libre continence. Oui, elle est là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Josiane ? Alors que Boomchak est Boom Boomchak. Pas d'exception à la règle, hein. Red, les francs, on peut se les faire. Quand vous dites se les faire, elle a raison. On a assez de rep, ils peuvent pas nous ignorer. D'après le code de la rue, on peut les défier dans un battle pour obtenir des informations sur DJ.
DJ. Il y a de la foule, donc mets-nous un son de fou. Ok. C'est parti. Ça se passe comment les battles, du coup? Ah. Intéressant. Bonjour. C'est Irène. J'ai repéré le principal suspect. Je vais l'interpeller. Ben non, c'est pas drone, ça. Ah, excuse-moi. Non, aïe. Ça va aller, Ivy. Je briserai mes chaînes, tel Florent Pagny. Ici, c'est ailleurs, ailleurs land. Ah mon dieu, des missiles! D'accord! Non, c'est pas des missiles, c'est des chaînes. Mais alors, quel est le projet exactement? Qu'est-ce que je suis censé faire là? Tout ça est très abscon pour moi pour l'instant. Ah, je peux foutre de la peinture sur les gars, très bien. Pour l'instant, je vais groover. Ça changera peut-être pas grand-chose, mais c'est mon pouvoir spécial. Bonjour. Non. Alors. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Je pense que c'est la bonne. Cake. Bonjour Sunny, bienvenue dans la maison du bonheur. Mais non, mais vous n'allez pas me frapper non plus, mais c'est quoi ces méthodes? This is not a method, this is provocation. Aïe. C'est vrai, juste lui rentrer dedans. Cherche pas plus loin, rentre-lui dedans. Non, calmez-vous le chat. J'ai bien entendu ce que j'ai dit, mais calmez-vous. J'ai bien entendu comment ça sonnait. Oui, j'ai bien entendu ce que ça vous laissait penser comme réplique. Sachez qu'il n'y avait rien de... Voilà. Je n'ai pas obligé de tout salir tout le temps. Merci, Mirwax. Ah ! Voilà autre chose ! Elle est où ? Elle est là-haut. Je briserai mes chaînes ! Au propre comme au figuré. Ça va être super chiant, comment je vais l'avoir, hein. Allez, on va déjà se débarrasser de ces chiens-là. Aïe. Ou alors ces chiens-là vont se débarrasser de moi, je sais pas encore lequel des deux. Alors, elle est où? Qu'est-ce qu'elle blinde? Elle est là-bas. On est au moins arrivé à l'interrompre en quelques instants. Je crois qu'on l'a eu. Si c'est un véritable repompage de Sega, il n'y aura que trois formes et c'est fini. Parce que dans Sega, tout marche toujours par trois. Tout va bien. C'est un jeu fidèle au truc d'origine. Je veux bien qu'elle m'enchaîne la Madame Cassie, s'il te plaît. Excusez-moi les gens, je suis là. Pardon pour le retard. As, as, as. Il a failli se faire avoir. C'est quoi ton problème, hein?
tant de violence. On te défie, Prince. Let's go. Si on gagne ce battle, tu nous diras où trouver DJ. Ooh, well. Ici, c'est nous qui gagnons. Tout le Bum Rush Crew passera sous mes ordres. C'est les Old Heads. Écoutez les jeunes, écoutez bien. Le moment est venu de régler une bonne fois pour toutes le différend qui oppose le BRC aux Franks. Il n'y a qu'un moyen de savoir qui est le meilleur, et c'est de les mettre face à face dans un battle de crew. Montrez à tous que vous savez enchaîner les tricks et les combos. Le crew qui obtient un meilleur score en 2 minutes remporte le battle. Tout le monde a compris ? Parfait. Maintenant, place au battle. C'est la musique qu'il me fallait. C'est ce que je désirais. Non, mais je voulais que... T'es mauvais, Kevin. Je te dis clairement. Non, c'est dans l'autre sens qui fait que je me penche. Je suis un peu occupé là, Trice. Trice, je suis sur un dossier là en fait. Tu me diras, Trice. Merde. Non. Non. Oui, je sais. Se pencher vers l'intérieur, je sais. Merde. Vers l'intérieur. D'accord, j'ai tout foiré. Je vis bien. Je le prends pas comme un échec personnel. Sachez-le. C'est vous qui prenez les choses comme des échecs personnels. Moi ? D'accord, donc l'intérieur c'est dans l'autre sens. Ça me prend 2-3 fois. Hein. Oui, là ça compte comme un combo. D'accord, très bien. Combo à 30 000 points, écoutez, c'est. Voilà. Il y avait mieux à faire peut-être, mais je pense qu'on va gagner le machin. Oui, c'est bon. Bon, ça va, on, c'est fini. Il est... Yo, ce truc de ouf! Il n'y a pas de doute, le BRC a dominé la battle. Ah, prenez ces ballons et cassez-vous, les Francs. Le BRC a remporté la battle. Vous avez appris le popping. Appuyez sur bas pour danser. Quoi? Nimp. Comme vous avez pu perdre la face à ces users sans territoire, bande de bolos. Allez, crache le morceau, Prince. Mew tout ce que tu sais sur DJ. C'est pas moi qui vais te le dire, quoi que ce soit. Pourquoi on devrait écouter ces vieux débris? Quelque chose sonne pas rond. Bonjour madame. Ah, bon sang. Je vois, on en fait un nouveau le code, est-ce que je vois ?
Va vraiment falloir que quelqu'un s'occupe de votre cas, les Franks. Le code de la rue est immuable. Écoutez un peu. Les Franks ont perdu un battle, mais ils refusent d'admettre leur défaite. Le jugement des Holzes est irrévocable. Châtiment. Ce territoire appartient désormais au bon Brushthrough. Vos petits arrangements sont rejetés. Wesh. DJ Cyber, votre offre est grandement appréciée. Mais on a encore des comptes à régler, pas vrai? Et quelques jours, DJ Cyber lui-même enfreint le code de la rue. On fait tous des erreurs, mais peu de monde lâche des gros sons comme il sait le faire. Je crois que j'aime bien ce jeu. Ils ont qu'on serait éventuellement prêt à oublier tout ça. Si vous acceptez de rendre la tête à mon ami ici présent. T'inquiète, je gère. Ah, hey! Virez-moi ces bouffons, pardon. Arrête, ça va pas, non? Canin? Pas canin? Red, c'est donc comme ça qu'il t'appelle? Sache qu'ici, c'est moi qui décide, wesh. De nos jours, sans les Big Three, les rues seraient plongées dans le chaos le plus total. Faire régner l'ordre, c'est moi DJ Cyber qu'en tant que Big Three. Je peux dire que mon crew Futurism en est parfaitement capable. Alors comme ça, tu veux récupérer ta tête? Laisse-moi te regarder un peu. Tu sais, depuis qu'on a des robots pour rêver, la cybernétique a fait des bonds géants. Donc on a découvert qu'il était plus simple de stimuler le cerveau que le corps. Capte ça. Ouais gros, bon, c'est passé crème, on a réussi à partir. C'était chaud. Ok, ouais gros. Pardon, ça a coupé. Alors. Oui. J'attends que je fasse quoi? Il y a un menu séparé pour la danse. Parce que naturellement. Je teste un peu les différentes touches pour voir ce que ça donne. D'accord, donc LT c'est un modifier. Ok. Donc quand on est en train de turboter et qu'on fait un trix, ça fait un trix spécial. Ok. Pour ça, il faut du turbo d'abord. Forcément. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ah. Je viens de voir qu'il y avait un truc là-bas. Peut-être que j'aurais dû commencer par là. Il n'est pas impossible que ça peut avoir un rapport. Il y a une porte. La porte est fermée à clé. What is this King of Mars bullshit? Ah non, 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 pas ça chez moi. Ah. C'est joli. C'est ça, The Unfinished One, alors? Ça fait des années qu'on en parle, mais je l'avais jamais essayé. Mais bon, c'est... Oui, c'est joli, hein. C'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Allez, je vous offre un Trix. Ça me fait plaisir.
shit is very fucked. Fait moins froid qu'on pourrait le croire. J'ai déjà vu ces titres quelque part. Ah. Bienvenue. C'est ton esprit mécanique. Ici, je ne suis que le spectateur de ton imagination. Les rêves sont intéressants parce que... on peut rêver... on ne peut rêver que de ce qu'on a déjà vu. Même si consciemment, on n'en a aucun souvenir. Regarde autour de toi. Vois le masque tomber. C'est un peu plus fluidement, je suppose, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Ok, c'était un peu laborieux, mais c'est fait. Les escaliers au-dessus, en dessous, là, c'est... c'est débile, mais très réussi. Ah, j'aurais peut-être dû attendre que ça se tombe dans un autre sens. Non. On pense que... d'accord. Ok, c'est bon. Ok. Ok. C'est un trip, hein. Les copains sont là! Et surtout la copine. J'ai le complice séduction. Ah, et moi, fut un jour. J'ai déjà vu ce mec quelque part. Ah, je... c'est pas très gentil. Ça s'appelle faux, c'est ça? C'est vu. Donc toi et ton bomb rush crew, vous voulez récupérer ta tête? Bah je prends pas les requêtes. Futurism, c'est le crew le plus puissant de New Amsterdam. Très bientôt, on sera au City. T'es vraiment décidé, il va falloir te hisser à mon niveau. Si vous devenez All City avant nous, tu pourras me forcer à tromper ta tête. All City? Mais d'ici là, je veux plus vous entendre. Si vous parvenez à conquérir les 5 quartiers et à devenir les graffeurs ultimes de New Amsterdam, vous pouvez venir me défier pour que je t'accorde ta requête. Wesh. On sera All City en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. All City. Je veux dire, même son véhicule ride.
Merci Björk, en tout cas, c'est gentil d'être passé. Quoi, qui tiendra parole? J'étais à quand il a tranché la tête de faux. Je sais pas. Soutenir All City, ça a toujours été notre but. C'est ce que visent tous les crews. C'est la raison de vivre de tous les graffeurs. De ce que j'ai compris, les All City règnent sur les rues et les crews. DJ peut nous rabaisser autant qu'il veut, mais si on le devient, on pourra l'obliger à me rendre ma tête. Je veux savoir pourquoi j'ai fini comme ça. À qui je dois score cette vie? Faïs, qu'est-ce qu'on sait à propos de faux, au juste? Il faisait partie des Big Three, c'est tout ce que je sais. Il n'y a pas si longtemps, il régnait sur la ville. Les Big Three étaient des graffeurs de légende. Ils ont grimpé les échelons en même temps. Même séparément, c'était des génies. Ils étaient rivaux, tout aussi talentueux les uns que les autres. Et il faut, super doué mais très discret. Félix, sûr de lui mais toujours masqué, on dit même qu'il n'a jamais utilisé de boost. Et DJ Cyber lui-même. Finalement, c'est Félix qui a gagné. Tous les murs de la ville portaient sa signature. DJ et Faux vont tous deux accepter leur défaite, quand ils se sont rendus compte que Félix avait graffé tous les quartiers. Du coup, Félix est passé All City, et est considéré depuis comme le meilleur graffeur que New Amsterdam a jamais connu. Si j'ai créé le Bombrush Crew, c'est parce que je voulais suivre son exemple. Qu'est-ce qui est devenu, Félix? D'après les rumeurs, au moment où sa rep était au plus haut, il s'est fait buter. Il doit avoir un tas d'ennemis, mais à mon avis, Faux et DJ savent forcément quelque chose. Tu risques de te faire malmener de temps en temps. Mais on suit tout un code de la rue. Dans notre monde, tout ce qui compte, c'est le talent. Nos armes, c'est notre style. On se massacre pas les uns les autres. Quiconque enfreint la règle se met tout le monde à l'eau. Yeah. C'est clair. Quand Félix a disparu, DJ a failli péter un câble. Ils n'avaient aucune pitié pour ceux qui enfreignaient le code. Autant dire qu'il a mis les choses au clair. Tout en portant le célèbre masque de Félix. Ça, c'est quand même pas normal. Écoute, son crew s'appelle Futurism. Vu un matos, on pourrait les croire face à une guerre chimique. Depuis le temps, et avec l'aide de son crew, DJ aurait dû devenir All City. Mais Félix a inspiré toute une génération de jeunes graffeurs. Du coup, les crews de tous les quartiers du New Amsterdam s'affrontent pour décrocher le titre. Pour l'instant, le crew favori, c'est Eclipse. Ils sont classe. Ces graffeuses ont des ordres. À chaque fois que les étoiles sont alignées, elles éteignent leur territoire. Eclipse s'est imposé jusqu'à Millennium Square. On se rend compte que si on regarde directement dans les yeux qu'on les voit, on tombe dans un coma sans fin. Yo. Nous, les Bombrush Crew, on a commencé petit et on a fini par prendre Versum Hill. On a battu les Franks, on a montré au DJ de quoi on était capable et on est toujours là. Le All City est à portée de main, je le sens. Yo. Je vais le faire. Je veux savoir qui j'étais, je veux connaître mes racines. Je peux pas l'expliquer, mais Hull City, c'est comme s'il était né pour le devenir. Même si ça implique de devoir collaborer avec un taré. Mais DJ Cyber est le seul lien qui me reste. T'emballe pas. Oublie pas qu'on est un crew. On reste soudés. Alors si tu vas, on vient avec toi. On va devenir Hull City. Nous tous, en tant que crew. Ouais. C'est clair. Bon. Ah, et pendant ce temps, chez les flics. J'avais envie de passer au Je suis moi, depuis à peu près 10 minutes. Ah, mon Dieu, ses yeux sont terrifiants. C'est lui, chef. Il le fait aussi bien qu'eux, si ce n'est mieux. Tum vulgaire. Sur son analyse psychologique, il éprouve de très fortes hostilités envers les autres vandales. Il serait très motivé et comprend très bien leur psyché. D'après nos recherches, il serait le candidat idéal pour le programme. Chef, pouvons-nous prendre les mesures nécessaires? Yes. Je me souviens, Tun, son père était un beau policier. Qu'en pensez-vous, Irène? À mon avis, c'est pas une bonne idée. I see. Je vois. Je prends bonne note de votre objection, lieutenant. Vu et sans tape. Poursuivez les préparatifs du projet Algo. Oui, commissaire Derlange. Bien ! On va arrêter là. Tout de suite après avoir fait un dernier tag.
Voilà. Est-ce que c'est con pour la rep ce que je fais ici? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plus une zone de test ici en fait. Oh, il est joli celui-là. Ah si, si, rep 029. Ah mais du coup ça a consommé la rep de faire... Verbe 034. Ah oui, donc oui, ok, très bien. Donc non, ça compte. Non, je... Très bien. C'est bon, Brush Cyberpunk. Je pense que là, si vous avez suivi. 1h30 qu'on vient de faire dessus. Vous savez maintenant, hein. Vous savez si c'est un jeu pour vous ou pas. Clairement, je pense que la réponse est vôtre désormais. Parce que là, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait un tant soit peu de jouer à un nouveau Jet Set Radio ? Si la réponse est oui, voilà. Si la réponse est non, je vous conseille de jouer à un autre jeu vidéo. Parce que clairement, c'est la dichotomie que nous avons là. C'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Bref, au revoir YouTube.